Katawa. Mon. Non, je déconne. La mort sera aussi difficile que la vie. Et c'est toujours. Écoute-moi ça. Ah, le bâtard, il l'a mis sur la voiture. Oh. Ah, je quitte le jeu alors là. Vas-y, Yoka, j'arrive sur le Discord, ok? Ouais. Ou peut-être pas, je sais pas. J'arrive. Peut-être pas, je sais pas, j'arrive. Alors, c'est là qu'on s'embrasse ? Plus tard. Tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois qu'il y a plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter? Bon, faut que je file. Hey, bonne chance, Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras, dans un mois, tu vas me supplier de revenir. Le Kingpin va aller en prison. C'est la fin d'une époque. Faudrait fêter ça. Ou peut-être prendre des vacances. Trop dangereux.
J'adore l'enthousiasme des docks, mais ça a le don de lui créer des problèmes. Je vais bien me dépêcher avant qu'il se blesse. Pardon, je suis en retard, je me... Wow. Vous avez déjà commencé? La direction du comité de subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtreur électrique! C'est pas vrai! On devrait peut-être arrêter! Pas encore! Tenez bon! Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous êtes blessé? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en reparlera plus tard. C'était une catastrophe. Pourquoi le filtreur n'a pas marché? Le doc m'a dit de prendre ma journée, mais... Je veux comprendre ce qui s'est passé. Oh. T'es pas en grande forme, toi. Voyons d'où vient le problème. Le circuit a grillé. Oh, c'est pas vrai. Si j'avais été là pour faire les contrôles, je l'aurais remarqué. Ça y est. Voyons, on redirige les commandes du cerveau moteur.
Parfait. Ok. Et ensuite... Et on redistribue l'attention. Fini. Voyons si ça marche. Comme neuf. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Composite hydrogel polymère. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Bon, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. Spider-Man, c'est Yuri. Alors, c'est ce qui est arrivé à Riker ? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah ! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fisk devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat ? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri ! Je refuse rien ! J'arrive tout de suite ! On dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. Bienvenue dans État de fait avec J. Thomas Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer... Non, deux. De deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin. Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom. J'ai pas la peine de réclamer. Bienvenue dans État de fait, avec J. Jonah Jameson, qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne. Parlez! Bon, alors malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons. Dites-moi, vous êtes quoi, policier,
procureur. Ou comme moi, un journaliste chevronné, récompensé par deux pupitres. Ah non, non, je suis plombier. Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras-le-bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un speeder smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non? Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis! Si vous cassez, vous payez! Je croyais que vous me faisiez confiance! Jetons un coup d'œil à cette tour. Les fréquences d'entrée sont inversées, subtil. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous? J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait. J'ai des unités pas loin. Pas la peine. Je m'en occupe. Vas-y. Couvre-moi. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance. J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi? Non, 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 non. Vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. Alors, c'est toi la balance. Dégage, raclure. Ouais, c'est bien elle. J'ai dit dégage! Mais fiche-moi la paix! Boucle-la un peu. Laissez-la tranquille! Oh non, Spider-Man! Il est KO! Allez, tuez-le! Dégage d'ici, ou je la bute! Lâche-moi! Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond.
Est-ce que vous avez un endroit où aller? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville, et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Bon. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur ? Quoi ? Bien sûr que non ! Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ses méthodes. Je sens que je vais le regretter. Je suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que des crimes. Bingo! Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est? Vieux sac à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville.